c'est directeur central Engineering Project Management. Ce workshop est une aubaine pour la réussite du projet SAP. Ça permettra à l'équipe de projet d'avoir un apport conséquent en termes de gestion de projet par des spécialistes qui ont l'habitude de réaliser des projets. Je suis M. Amar Amihout, je suis le directeur de la division maître d'opération au niveau de l'activité RFC. C'est une nouvelle division qui a été créée, qui sera en charge de piloter et de réaliser l'ensemble des projets dans le domaine de la finance pétrochimie. Donc, je trouve que par rapport au système, donc le système SAP-PS, c'est un très beau système intégré qui va aider énormément le responsable de projet dans le suivi et dans la gestion du projet, depuis la phase avant-projet, c'est-à-dire la phase maturation pré-fil-fil, jusqu'à sa phase clôture. بالنسبة لي هذه مناسبة طيبة ومتاحت لنا فرصة نتلاقى بكل إطارات الصيانة في مكان واحد باش ندرسوا شيء راح يكون مشترك بيناتنا. كانت فرصة كذلك أن درسنا معظم الخصائص اللي في هذا البرنامج هذا واش يتيح لنا كفرص بحيث المستقبل إن شاء الله نكون نخدموا بوسيلة واحدة وهذا يعزز انتمائنا لشركة واحدة. إن شاء الله هذه الورشات اللي رانا مديناها من يوم الأحد الماضي إن شاء الله تأتي بالنتيجة المرجوة وتكون في الخير على صنع الطاق بإذن الله. Bonjour, c'est Monsieur Barahou Karib, directeur de la division GNSGPL. Donc ici, nous sommes aujourd'hui nous sommes en conclave pendant 5 jours pour suivre un peu le module PP. Donc nous avons tous les spécialistes qui sont en salle. Ben, c'est un module très important pour l'activité LQS. Ce module nous permettra par la suite, après son implémentation, d'avoir toutes les données et les chiffres, et même en matière de coûts, cela présenterait un très bon outil d'aide à la décision, d'où son importance pour son implémentation le plus rapidement possible. C'est M. Mkaraoui Samir, directeur maintenance à l'activité RPC. Nous sommes ici pour examiner avec l'équipe projet le contenu du module PM maintenance et nous pouvons dire dans un premier temps que l'ensemble jusqu'à présent que l'ensemble des volets examinés on peut les retrouver dans notre processus maintenance. Nous souhaitons toute la réussite pour que toute la réussite pour l'équipe projet et que nous ferons de notre mieux pour que ça soit réalisé dans les meilleurs délais au niveau de nos sites. C'est Mahmoud Msaoud, je suis directeur technique à la division maintenance des activités de transport par canalisation. On est là aujourd'hui pour traiter en commun accord avec le comité de maintenance le système qui va mettre en place le système PPM SAP. C'est une application qui va nous permettre de gérer la production et la maintenance pour une meilleure application de tous les systèmes. Bonjour, Abdelrahouf Bourras, chef de projet au sein de la division association activité EV. Donc un workshop très intéressant qui m'a permis de découvrir un outil puissant de la gestion de projet, de connaître ces modules, ces processus métiers, et aussi de comprendre comment ce logiciel a été adapté aux besoins de la zone en matière de gestion. Monsieur Haddad Mohamed Reda, chef département au niveau de la direction XP de la division GNSGPL. Je participe au workshop sur le SAP SH1 qui sera implémenté au niveau du groupe Sonatrach. Pour le moment, les travaux se passent très bien et nous avons une très bonne appréciation de ce système. Lamia Benournis, je suis chef département au sein de la DCP Finance. Ce workshop est très intéressant pour moi car il m'a permis de connaître les différents modules qu'englobe le projet SH1 et plus particulièrement le Project System qui couvre les aspects financiers et logistiques du suivi des investissements au niveau de l'entreprise.